Bon la team, vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, j'espère que vous allez bien. Par contre il s'est passé une dinguerie ce matin, honnêtement je travaille pas ce matin, c'était peut-être un signe. Et en me réveillant je me dis, ah mais attends, on est jeudi, j'ai récompense Rivals et Fut Champions à ouvrir évidemment. Du coup je vais sur FIFA, tout ça, je vais récupérer mes récompenses. Voilà, j'ai fini hors 2, comme vous pouvez voir c'est pas une très bonne perf de ma part, enfin bref c'est pas ça le principal. On ne voulait pas que Fut Champions dans les rouges, bah j'ai eu le joueur que je voulais donc ça me va, à Bergel, voilà. Il a des bonnes stats, plutôt, c'est plutôt intéressant, je vais le tester pendant cette week-end Fut Champions. Intéressant pour la Ligue 1, honnêtement il peut me faire du bien, il peut être utile, il peut vraiment être utile, il a l'air méta, tout ça, tout ça, tout ça, enfin bref c'est pas le plus important dans la vidéo. On a récupéré deux bûchers aussi, bon ça c'est pour l'anecdote, hein. C'est juste question de dire, on avait encore eu Abergel, donc voilà, on a... Bon après c'est pas un gros, une grosse note, enfin bref. Et là les gars, je vais vous laisser juste regarder avec le gameplay, j'ai coupé ma caméra. Regardez. Kylian Mbappé, la team, Kylian Mbappé, j'ai tellement, mais tellement essayé de l'avoir pendant la totie, vous imaginez pas. J'ai ouvert plus de 50, 60, 70 renforts Ligue 1 Premium, j'ai rien eu, j'avais même pas une anima en Team of the Week. Et là dans un pack random que je... En fait je veux garder mes packs, les packs méga méga rares pour les événements s'il y a des gros joueurs à pack et tout ça. Et je vois le pack horreur, je me dis... Oh, c'est un pack de merde, vous voyez, du coup je vais l'ouvrir et boum, je vois animation. Je me dis, en plus quand je vois qu'il y a deux parts, je me dis, oh, vas-y, ça va être français, BU, Mbappé, on n'en reparle plus. Et c'est vraiment passé la team, donc pour la E-League 1, c'est parfait. Du coup la team, voilà, c'est tout pour cette vidéo, je voulais juste vous montrer ça parce que c'est incroyable. Voilà, tout simplement, c'était une petite vidéo bonus de d'habitude. Voilà, on est prêt pour la E-League 1 maintenant, on peut aller chercher les résultats qu'on espère, du moins, je l'espère. Allez les gars, c'était le coin Grenat. Ciao.